Je déteste l'orange, le jus d'orange, l'orange tout court, tous les trucs qui sont parfumés à l'orange, je n'aime pas du tout. Et dans le calendrier, il y en a 5 qui sont au goût d'orange. Ça se trouve, ça va être trop bon, hein. Franchement, ça passe. Mais du coup, c'est pas ouf pour les gens qui aiment bien l'orange, quoi. Il est 23h30 et j'ai pris un petit bol avec des céréales, un truc que je fais jamais de manger après un repas, mais écoutez, j'ai faim et j'en ai envie, donc voilà. Extrêmement gênant, j'arrive sur un stream sur lequel je suis jamais passée et je vois dans le chat quelqu'un qui a comme pseudo Allison-Nozilla. C'est le pseudo de ma pote d'enfance avec qui je jouais beaucoup. Et donc moi je commence à la rebasse dans le chat en mode « Oh mais t'es là, what the fuck, je savais pas que t'étais là et tout. » Et la personne ne me répond pas. Je suis en mode « Mais qu'est-ce que tu fous? » Du coup je lui envoie un snap en lui disant « Bah réponds-moi, tu vois. » Elle me dit « Mais te répondre où? » Et là j'étais en mode « Attends, t'es pas sur Twitch? » Elle me dit « Bah non. » Et du coup, en fait cette personne n'a rien à voir avec ma meilleure pote. Mais elle a pensé que je l'agressais, genre. Du coup je suis hyper gênée. C'est vraiment ma dégaine pour aller en cours, genre habillée dans une doudoune avec mon yaourt dans un pot parce que j'ai pas le temps de manger. Je viens de dépenser 100 balles, les cadeaux de Noël, de mes potes. J'ai pas du tout fini. C'est un peu mal, mais j'espère qu'ils seront contents. On est dans le vlog là, vas-y. On est vraiment dans le... Est-ce que je peux mettre ces liens dans le vlog, tu crois? Rien fait d'intéressant aujourd'hui. Donc ça te gêne pas de laisser ton téléphone allumé? Non, non. T'es toujours sur l'eau? Ouais. Hier j'ai fait une crise d'angoisse, c'était pas très jojo, mais ça va mieux aujourd'hui. Je vous ai jamais montré à quel point elle défonce mon canapé. Bah voilà. Ça ressemble à rien comme ça, parce que j'ai mes habits en dessous, mais j'ai reçu mon blazer que j'avais commandé. Ah mais y a un truc derrière! Bref, j'ai reçu mon blazer, je suis très contente, il est un peu transparent mais il est beau. Comment on met ça du coup? Gris, pain, fume, de la fumée noire. Du coup j'ai eu un peu peur, j'ai regardé et en fait il y a un bout de pain qui est là depuis je sais pas combien de temps, mais tout petit, qui est carbonisé. Donc voilà, ça pue la mort dans tout mon appart. Super. Il y a eu un petit souci de temps, j'étais censée faire du dessin. Je suis passée sur le stream d'un copain qui m'a dit « Ouais, viens jouer. » Stream du Trackmania pendant 3 heures. J'ai un peu mal à la tête. Ouf, à quel point quand on n'est pas top niveau moral, on se laisse aller dans la vie. Je déteste le désordre, ok, tout est rangé. Mais là, c'est quoi cette montagne de sapes par terre? Genre à côté de mon lit. Toi aussi, tu trouves ça ouf? Ah non, toi tu veux jouer avec le truc de la caméra. Donc là il est minuit et demi, je me déterre à tout ranger parce que si ce n'est pas organisé dans mon espace de vie, je ne peux pas être organisé dans ma tête. Voilà, je fais partie de ces gens chiants. Je suis passée sur un stream un peu random sur lequel je ne vais jamais. Il y avait 30 viewers. Sur ces 30 viewers, il y avait un gars à qui je parlais quand j'avais 12 ans sur un serveur Minecraft. Et que j'ai eu aucune nouvelle de lui depuis peut-être 6 ans de ça. Et c'est insane. Et je l'ai retrouvé là, au milieu de tous ces gens, complètement random. J'aime bien Internet juste pour ça. Aujourd'hui, j'ai aucune motivation pour faire quoi que ce soit. Mon amour. T'es belle, mon cœur. Je suis trop refaite, j'ai reçu mon gaufrier. Ouais! C'est mon cadeau de Noël un peu en avance. Et j'ai reçu le cadeau d'Alex. Aujourd'hui, j'ai eu un cours de modèle vivant, donc il y avait un mec qui est venu pour poser nu. Très beau garçon d'ailleurs, la vingtaine, bien musclé, des petits tatouages. Ensuite, j'ai été conduire. Ça faisait un mois et demi que j'avais pas conduit, et il y a un mois et demi quand j'ai conduit la dernière fois, ça faisait aussi un mois que j'avais pas conduit. Mal passé parce que j'avais jamais conduit de nuit, que j'ai eu du mal à m'adapter, que le mec m'a fait faire des trucs que j'avais jamais fait. En plus de ça, de nuit, je me suis retenue de pleurer pendant toute l'heure et demie. Je passe le permis la semaine prochaine, donc le mec qui me dit qu'il va falloir des cours parce que sinon ça va pas passer.
Hello. Amende de vidéo. Putain. Hello. J'ai oublié de filmer, mais il y avait du tiramisu de ça. On vient de regarder Si quelque chose arrive, je t'aime. Et là, il est minuit et demi et on est en train de se faire respectivement des pâtes et... Enfin bref, à bouffer quoi. C'est à cause de lui. Une frange du pan, évidemment, tu changes de lumière. J'ai une belle gueule comme ça. Mais t'as pas eu la fève encore? Mais si. C'est moi ta fève. J'ai jamais mangé, du coup on va faire un taste test, comme on dit. Sur lequel je peux pas trop vous filmer parce que j'ai oublié mon pyjama, du coup je traîne en culotte. Sauf que ben, je peux vous montrer ma culotte quoi. Petit teasing, on vient de réserver un Airbnb avec Alex. Incroyable, pour la dernière semaine de décembre. Donc vous verrez ça dans un futur vlog. Il est tout cassé. Il a voulu mettre une bûche, mais ça tient pas. Ça fait 4 fois qu'on essaie de le remettre. Mais... Putain, il y aura quoi?